The search for 13-year-old Dylan Redwine has gone national. He's making some disturbing claims. He says he has seen compromising photos that Dylan had of his father, cross-dressing, even eating his own feces. You're his father. How could you do this to him? Elaine, I don't know where Dylan is. I haven't had anything to do with this. I know that's a lie. I know you had something to do with this. Yes. Yes. You were the last one to see him. But nobody's got the answer. No, you have to ask that question. You had him. Where is he? Bienvenue chez les Redwine, une famille a priori comme les autres, à l'exception du père, Marc, qui a des penchants pour le moins dérangeants. Et lorsque son fils adolescent va découvrir ses secrets les plus intimes et les plus sombres, honteux, Marc va commettre le pire. Aujourd'hui, la triste histoire de Dylan Redwine. Direction le Colorado, dans la ville de Durango, le 19 novembre 2012, on signale la disparition d'un jeune garçon, le petit Dylan Redwine, âgé de 13 ans. Il est alors en vacances chez son père pour la fête de Thanksgiving, et il y était bien malgré lui, puisque ses parents étant séparés, le tribunal avait statué, Dylan, le plus jeune enfant du couple, devait passer cette fête chez son père, Marc Redwine, âgé de 59 ans. Dylan est né le 6 février 1999, il est le fils de Marc Redwine et de Helen Hatfield. Après 18 ans de mariage, les parents de Dylan s'étaient séparés et au moment de sa disparition, comme de nombreux parents, eh bien ils se disputaient la garde de leurs deux enfants, Dylan et Corey, son grand frère. Et c'est un juge qui a dû décider de qui aura la garde et quand, Helen ayant obtenu la garde et Marc devant se contenter de quelques vacances. La disparition de Dylan est jugée comme inquiétante. Une enquête est alors ordonnée. L'urgence est alors de retracer les derniers faits et gestes de l'adolescent. Dylan est arrivé seul par avion la veille de sa disparition. Son père était parti le chercher à l'aéroport et il lui a demandé s'il voulait aller dîner au restaurant, ce que Dylan a refusé, préférant aller au McDo. Ils sont donc partis dîner au McDo. On sait que Dylan aurait préféré aller chez un ami ce soir-là, car bien que n'habitant pas la région, il y avait quelques amis qu'il voulait absolument aller voir. Après avoir mangé, père et fils ont été filmés au magasin Walmart, non loin de là, et il n'y a rien de particulier à signaler, ils faisaient simplement quelques courses. Et enfin, ils ont rejoint le domicile du père. Selon le père, Dylan s'est endormi sur le canapé du salon, tôt ce soir-là, et le lendemain matin, le 19 novembre 2012, Marc a réveillé son fils à 7h30 du matin pour qu'ils aillent faire quelques courses ensemble. Mais Dylan a refusé, il ne voulait pas faire de courses et ne voulait pas non plus se lever. Alors Marc a décidé de le laisser dormir et est allé faire ses courses seul. Et c'est à son retour vers 11h30 du matin qu'il a remarqué l'absence de son fils. Il s'est dit dans un premier temps qu'il était sûrement allé voir un ami. Il a alors fait une sieste d'une heure et lorsqu'il s'est réveillé entre 12h30 et 13h, inquiet de ne toujours pas voir son fils, il a appelé des amis à lui, mais en vain. Et il a tout du long envoyé des SMS à son fils pour savoir où il est et quand il compte rentrer, mais toujours en vain. Il envoie alors un SMS à son ex-femme pour lui expliquer que Dylan a disparu. Et comme à 18h il n'est toujours pas rentré, il appelle le commissariat local pour déclarer sa disparition. Immédiatement et pendant les deux premiers jours de l'enquête, les enquêteurs pensent à une fugue. Marc déclare aux policiers que les affaires de son fils ont disparu, y compris sa canne à pêche, ce qui l'a poussé à croire que son fils est sûrement parti aller pêcher et qu'il s'est peut-être perdu. Mais ça, la mère n'y croit pas. Une seconde, son fils a certes une canne à pêche, mais il ne sait absolument pas pêcher et il n'a jamais éprouvé aucun intérêt pour la pêche. Les policiers vont scruter le téléphone du jeune adolescent. Ils remarquent qu'il a l'habitude d'être connecté sur Facebook, de jour comme de nuit, mais la nuit précédant sa disparition, sa dernière activité a été enregistrée à 21h37. Et lui qui a l'habitude d'écrire des SMS à ses amis jusque tard dans la nuit, eh bien plus d'activité à partir de 22h. En sachant que dès le lendemain matin à l'aube, à 6h30 pour être plus précise, il avait rendez-vous avec un ami qui, ne le voyant pas arriver, lui avait envoyé un message à 6h45 lui demandant « Où es-tu ?» auquel Dylan n'a jamais répondu. Lorsque les policiers demandent à Mike
pourquoi il a envoyé un simple texto à son ex-femme pour l'informer de la disparition de son fils, au lieu de l'appeler, surtout vu la nouvelle, eh bien, il explique qu'il savait qu'elle aurait paniqué et qu'il ne voulait pas avoir à s'occuper d'elle en plus de la disparition de son fils. Un postier va se manifester, il va déclarer avoir vu deux jeunes ados marcher le long d'une route, non loin de là, le matin de la disparition, et ça forcément, ça vient accréditer la thèse de la fugue. Et seulement une poignée de jours plus tard, le 24 novembre, les policiers décident, dans le doute, de faire appel à des chiens renifleurs de cadavres. Et très vite, ils repèrent l'odeur de Dylan dans une zone boisée entourant la maison. Et c'est plus qu'inquiétant car ce type de chien est formé à retrouver des restes humains, des personnes mortes. Et s'ils sentent l'odeur de Dylan, c'est que les nouvelles ne sont pas très bonnes. À ce moment de l'enquête, les policiers s'attendent au pire, alors ils sortent l'artillerie lourde, ils déploient des plongeurs pour fouiller le lac voisin, le lac Vallecito, mais ils ne trouvent rien. Puis, ils utilisent un sonar pour repérer l'adolescent, mais toujours rien. Ces recherches intensives vont durer 2 jours. Mais impossible de savoir où est Dylan, ni même de savoir s'il est en vie. Et c'est à ce moment que le FBI a rejoint l'affaire, sans compter que c'est toute la communauté qui aide aux recherches. Et coup de théâtre, le 27 novembre, soit une semaine après la disparition de Dylan, Hélène, sa mère, se manifeste auprès des autorités ainsi que des médias. Elle a une intime conviction. Elle est persuadée que c'est son ex-mari qui est responsable de la disparition de leur fils. Elle explique que son fils n'aurait jamais fugué sans l'appeler. Son père, à la rigueur, mais pas elle. Il n'avait rien à fuir. Elle explique que, d'ailleurs, son ex-époux Marc était en colère, qu'elle ait eu la garde des enfants, et qu'il était encore plus en colère de devoir lui payer une pension alimentaire. Sans compter qu'il lui en voulait terriblement, selon elle, d'avoir tourné la page et d'avoir trouvé un nouveau compagnon, ce qui aurait pu le conduire à se venger en blessant Dylan. Marc, de son côté, soutient l'hypothèse de la fugue, du kidnapping, ou peut-être s'est-il tout simplement perdu en forêt. Mais à force d'être pointé du doigt par Hélène, il va aussi l'accuser. N'aurait-elle pas caché Dylan quelque part pour lui porter préjudice? Et le 29 novembre, décision est prise de perquisitionner le domicile de Marc Redwin. Une équipe de scientifiques prend possession des lieux et ils vont faire une bien inquiétante découverte. Ils trouvent des traces de sang appartenant à Dylan à divers endroits de la maison, sur le sol et sur le coin de la table basse, par exemple, entre autres. Mais impossible de savoir si l'enfant s'est blessé légèrement, comme ça arrive à tous, ou s'il s'est blessé grièvement. Alors en l'état, le mystère autour de ces taches de sang et autour de la disparition de Dylan demeure. L'enquête suit son cours, et malgré le peu d'indices, les enquêteurs ne lâchent rien, ils vont continuer à enquêter et c'est presque une année qui va passer. Mais le 23 février 2013, frustrés de n'avoir aucune piste, les enquêteurs vont tenter le tout pour le tout et faire à nouveau appel à des chiens renifleurs de cadavres. Cette fois, ils cherchent tout autour de la maison de Marc et les recherches ne donnent rien. Et cette affaire va avoir un écho national lorsque le 26 février, la célèbre émission Dr. Phil, c'est un célèbre talk show américain, va s'emparer de l'histoire. Hélène et Marc en seront les invités. Ils vont chacun apporter leur témoignage dans le but de donner plus de visibilité à l'affaire. Hélène va pointer du doigt son ex-mari et réitérer ce qu'elle a déclaré plus tôt. Selon elle, quelque chose de sinistre s'est produit et son ex-mari a quelque chose à voir dans tout ça. Elle veut des réponses quant à Marc, lui, semble distant, plus passif. Monday, the 19th, Mark texted me and asked me if I'd heard from Dylan. It was very disconcerting that I was 6 hours away and he's asking me that question. I do believe he knows more. He's done everything other than look for Dylan. And that's what makes me suspicious. Il va soutenir la thèse de la fugue ou encore du kidnapping, mais un moment va interpeller les spectateurs. Lorsqu'on propose aux époux de passer le test du détecteur de mensonges, ils acceptent sans hésiter. Mais au moment où Marc est interrogé dans le cadre de ce test, on lui demande, comme le veut la procédure, c'est l'une des premières questions, s'il se sent assez bien pour passer le test, et là, il répond non. Et cette question est primordiale, car comme le veut la procédure, si l'interrogé y répond par la négative, cela rend le test caduque et inutile. Alors, stupeur
dans la salle. Aurait-il quelque chose à cacher? Mark va expliquer qu'il ne savait pas que répondre ça annulerait le test, mais beaucoup pensent qu'au contraire, il l'a joué fine. Alors Dr. Phil ne se démonte pas et demande à Mark s'il se sent de passer le test plus tard, ce à quoi Mark répond que non, ce n'est, je cite, « tout simplement pas le bon moment ». Alors, inutile de vous dire que les soupçons commencent à sérieusement s'accumuler contre Mark, et pas que chez les spectateurs, chez les enquêteurs aussi. Mais sans preuve, pas d'inculpation, et aussi et surtout, sans corps, pas de crime. Les enquêteurs vont continuer à chercher Dylan intensivement en concentrant leurs recherches dans les environs de Middle Mountain, non loin du lac Vallecito, car après tout, si quelqu'un veut se débarrasser d'un corps dans les environs de Durango, c'est l'endroit idéal. Et leurs efforts vont finir par payer, puisqu'à force de chercher, ils vont finir par trouver une chaussure Air Jordan de la taille de Dylan, des sous-vêtements d'adolescents, des écouteurs et d'autres vêtements encore, ou du moins ce qu'il en reste. Alors, rebelote, un chien renifleur de cadavres est amené sur les lieux et bingo ! Le 26 juin 2013, à 16 km du domicile du père, une partie des restes humains de l'adolescent sont retrouvés. Et pour le légiste, vu les restes, il ne fait aucun doute. L'adolescent est mort. Mais alors, que lui est-il arrivé? Les enquêteurs se demandent s'il a été tué par quelqu'un ou bien s'il s'agit d'un accident, une chute ou peut-être qu'une bête sauvage s'est attaquée à lui, qui sait. Les résultats vont tomber deux jours plus tard, le 28 juin. Le coroner du comté fait une annonce officielle. Dylan n'a pas été tué par des animaux sauvages. Dylan a donc probablement bel et bien été assassiné. À ce titre, l'enquête pour disparition inquiétante est requalifiée d'enquête pour homicide. Et ce que les enquêteurs se gardent de dire au public, c'est qu'ils ont resserré l'étau autour du père. Ils ont concentré leurs investigations sur lui, et ce n'est pas une mince affaire, puisqu'ils vont encore continuer 2 ans. Ils vont encore investiguer 2 ans. Cela paraît long, mais à ce stade, il est déterminant de réunir suffisamment de preuves pour garantir une condamnation. Un dossier trop fragile pourrait entraîner un acquittement et de ce fait tout saboter. À ce stade, l'enquête a commencé depuis déjà 3 ans. Les policiers ont entre-temps une énième fois fouillé le domicile familial et lors de cette énième fouille, c'est la carte de crédit appartenant à Dylan qui a été retrouvée. Or, Mark avait toujours soutenu que son fils était parti avec toutes ses affaires. Et Mark est au pied du mur, puisque le 19 août 2015, il est officiellement désigné comme une personne d'intérêt dans le meurtre de son fils. Et seulement 3 mois plus tard, nouveau rebondissement, alors qu'un couple faisait de la randonnée hors des sentiers battus, le mari a ramassé quelque chose qu'il a tendu à sa femme en disant « Chérie, qu'est-ce que tu penses que c'est ?» Et sa femme, qui était une passionnée de faits divers, elle adorait l'émission Dateline, elle écoutait aussi énormément de podcasts de true crime, et elle a immédiatement reconnu cet objet. C'est un crâne humain, et c'est en réalité le crâne de Dylan qu'ils viennent de trouver, à seulement 1 km de l'emplacement des autres restes. Et malheureusement, on retrouve des traces de traumatisme contondant sur le sommet du crâne. Dylan a donc été tué d'un ou plusieurs coups à la tête. Et toujours pour les besoins de l'enquête, dans le but de rassembler suffisamment de preuves, ce n'est que le 22 juillet 2017 que Mark Redwin est arrêté, ou plutôt enfin arrêté. C'est tout de même 5 ans après le début de l'affaire. S'il est effectivement coupable du pire crime, celui d'avoir tué son propre enfant, cela veut dire qu'il est tout de même resté 5 ans en liberté, sans être inquiété. Arrêté dans l'état de Washington, il est extradé vers le Colorado dans l'attente de son procès. Il est accusé de meurtre au 3e degré et de maltraitance d'enfants ayant entraîné la mort. Mais alors, s'il a tué son fils, quel peut bien être le mobile? Pourquoi un père voudrait tuer son propre fils? Eh bien ça, les Américains ne sont pas prêts de le savoir, puisque le procès va être reporté encore et encore, et des années durant. Une première fois en novembre 2018, puis une autre en septembre 2019, à cause, fait cocasse, de l'avocat de Redwin, qui a été arrêté pour violence domestique. Il est aussi reporté en avril 2020, à cause de la pandémie. Rebelote
en janvier 2021, et ça, les proches de Dylan ont du mal à le supporter. Déjà, c'était une enquête sans fin, maintenant ce sont des reports d'audience sans fin. Hélène, la mère, déclarera « Ça fait 7 ans que ça dure. C'est frustrant, c'est déchirant, mais nous devons juste continuer à aller de l'avant. Nous n'avons pas le choix. J'espère qu'un jour, ce cauchemar prendra fin pour notre famille. » Et en juillet 2021, le procès a enfin commencé et la défense de Mike est claire. Il plaide non coupable. Non, il n'a pas tué son fils. Son fils a probablement fugué. Il s'est fait attaquer par un animal sauvage. Bref, vous connaissez la chanson. Mais l'accusation va de son côté avancer un mobile du crime qui va littéralement laisser l'assemblée sous le choc. Et pour mieux comprendre, il faut se rendre au 3e jour du procès, lorsque le grand frère de Dylan, Corey, est venu témoigner à la barre. Selon lui, lors d'un voyage dans le Midwest en 2011, son frère et lui auraient découvert de sordides photos. À l'époque, Dylan n'avait que 12 ans. Alors que Mark dormait, Dylan s'était connecté sur son ordinateur et était tombé sur des photos de son père, habillé en sous-vêtements féminins, en train de manger des excréments dans une couche. Il portait lui-même une couche sur certaines d'entre elles. Il y avait toutes sortes de photos, on voulait floutes, sachez qu'il y a vomi en regardant l'une d'elles, d'ailleurs la première qu'elle a regardée, tellement c'était abject. Mike en avait plein le visage, il semble prendre du plaisir, il s'en badigeonne le visage, il en mange, bref, Google est votre ami pour les intéresser. Mais Dylan, face à cette découverte plus que troublante, en a parlé à son grand frère. Les deux se sont cachés dans la salle de bain de la chambre d'hôtel et Corey a pris en photo ses photos à l'aide de son téléphone portable, dans le but de le confronter plus tard. Et c'est ce qu'il a fait en août 2012, soit 3 à 4 mois avant la disparition de Dylan. Corey a confronté son père en lui envoyant des photos par MMS. Pendant ce temps, Dylan était en vacances seul avec son père. Fort heureusement, Dylan n'a pas été blessé durant ce voyage. Dylan avait expliqué à l'époque à son frère à quel point il était dégoûté par tout ce qu'il avait vu et qu'il ne voyait plus son père de la même façon. Corey, de son côté, s'est royalement disputé avec son père par SMS. Il lui a dit, je cite, « Tu es un lâche mangeur de merde » ou encore « Tu es exactement ce que tu manges ». Et selon l'accusation, c'est ça le mobile. Si Dylan est mort, c'est probablement parce qu'il a évoqué ses photos auprès de son père. Cela aurait sûrement mis son père hors de lui en le poussant à le tuer. Ou peut-être que Dylan avait prévenu son père. Il avait prévenu qu'il allait divulguer ses photos. Et ce serait pour éviter ça que Mark aurait tué son fils. Ça, personne ne le sait, il n'y a que Mark qui le sache. L'avocat de Mark a affirmé que non, ces photos n'ont rien à voir avec tout ça, mais l'accusation a poursuivi. Il y avait deux marques sur le crâne de Dylan, probablement causées par un objet tranchant tel qu'un couteau. Donc, Mark aurait attaqué Dylan avec un couteau ou tout autre objet tranchant, d'où les traces de sang retrouvées ici et là chez lui. Puis il aurait disséminé les parties du corps de son fils un peu partout, dans les bois et montagnes environnantes. Toujours selon l'accusation, Mark aurait volontairement caché la fameuse canne à pêche dont il a tant parlé à la police, canne à pêche qui lui a permis de justifier que son fils de 13 ans aille se perdre dans les bois. Or, encore une fois, je vous le disais, Dylan n'aimait pas pêcher, il ne savait même pas fixer un appât. C'était là, selon le procureur, une énième tentative de la part du père de détourner l'attention des enquêteurs. Or, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que seulement un mois après la découverte des premiers ossements, Mark avait comme par magie retrouvé la canne à pêche manquante dans son garage. Un autre témoin surprenant est venu à la barre. Il s'agit du fils aîné de Mark, Brandon Redwin, né d'une précédente union. Il a déclaré que le jour où les ossements de Dylan avaient été trouvés, son père avait commencé à lui parler de traumatismes contondants, alors que personne n'était au courant de ça. Et de plus, il en parlait sans émotion. Brandon a dit, je cite, « On aurait dit qu'il parlait de baseball ». Et c'est ce qui a commencé à l'alarmer. Et puis, comment savait-il tout ça avant même que le crâne de Dylan n'ait été retrouvé? Quant à la première épouse de Mike, elle est elle aussi venue témoigner. Elle a déclaré que lorsqu'elle a entendu que les ossements de Dylan avaient été retrouvés dans les montagnes, son cœur s'est soulevé. Elle s'est souvenue de ce que son ex-mari lui avait dit dans les années 80, lorsqu'ils étaient en vacances à la montagne. Il lui avait dit que c'était là un endroit idéal pour cacher un corps. Autre témoignage qui va mettre à mal la défense, un employé de banque
a témoigné que Mark avait transféré, moins de 3 mois après la disparition d'Ilan, la totalité de l'argent qu'il y avait sur le compte de son fils sur le sien, soit 2 000 $, laissant 6 centimes sur le compte de Dylan. N'est-ce pas là l'attitude d'un père qui sait que son fils ne reviendra pas ? Et si on pense son fils en fugue, pourquoi lui retirer tout son argent ? Ça n'a pas de sens. C'est le 16 juillet 2021, après une délibération longue de 6h30, que le verdict est enfin tombé. Mark a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré et de maltraitance d'enfants ayant entraîné la mort. C'est tout de même 9 ans après la disparition de Dylan. C'est long. Mais Mark risque 48 ans de prison pour meurtre, auquel s'ajoutent 24 ans pour maltraitance. Il passera donc le reste de sa vie en prison. Voilà. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette histoire qui est en ce moment même en train de retourner les États-Unis. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre sur notre Instagram You Crime Sisters, à nous soutenir sur notre Tipeee. Quant à moi, je vous dis à très vite sur You Crime pour une autre triste histoire.